YouTube, bienvenue, on est là pour jouer le jean, létalité, on va le jouer sur le R, vous l'avez compris, vous avez vu Caitlyn Sniper très il y a peu de temps, on va faire la même chose avec jean, on va se faire plaisir, je suis actuellement en live tous les jours à partir de 10h30 sauf le dimanche, n'hésite pas à passer mon amour, je te ferai des gâtés, j'irai jouer avec toi dans l'espace commentaire, tu as le lien Twitch, tu viens follow et voilà, on se fera des petits gâtés toi et moi, n'hésite pas à passer. On va parler des runes, donc les runes on est passé sur quelque chose de vachement optimisé sur les dégâts, on va jouer contre une compo qui va me donner peut-être le Typhus, vu qu'il joue full range, ça va être très compliqué, le Nautilus va pas passer un bon moment. En tout cas, si je prends du lead dans cette partie, je vais pouvoir leur bousiller la barre d'HP. Oh, petit trade. Non mais frérot, j'ai 15 cancel auto là. Zach jungle, on va faire attention. Très dangereux quoi. Ok, le route. Ok, ça touche. Là, ça mord. Ça mord l'hameçon, messieurs dames. Mais vraiment, je vous souhaite à tous, s'il y en a qui aiment tout ce qui est le show et compagnie, de vivre ce que j'ai vécu là, l'année précédente. Ça a été, no joke, ça a été l'année la plus, la plus enrichissante de ma carrière. Je suis tellement sorti de ma zone de confort l'année dernière, c'est une folie, genre. Entre les scènes, les événements, pareil, l'événement pétanque sur le papier, on dirait que c'est con, mais l'événement pétanque, quand j'ai eu un événement que j'ai créé de A à Z sur un terrain de boule où je dois être host de l'émission, c'est... Bah, d'ailleurs, vous l'avez vu dans la vidéo, quand j'ai commencé à prendre la parole, moi, quand je stresse, je parle vite. J'ai dit... Oh, j'étais en roue libre. Heureusement qu'après le soleil il m'a tapé sur la tête. Après ça m'a calmé. Mais ouais, expérience de fou. Et sachez que plus ça va aller et plus ça va être pire. Parce que je suis pas du genre à me contenter de ce que j'ai. Du coup, ben, voilà. Peut-être qu'un jour je ferai host de plus gros événements. Qui sait, peut-être un événement majeur que... Bref, c'est Dieu qui donne. Attendez, vous verrez. Cette année est émotionnellement TDS en plus. Ben, c'est vrai, hein, même avec la TDS, les cris, les... Il y a tellement eu de trucs avec le Div the Day. Moi, ce que je vous dis juste, c'est attendez début octobre. Voilà, vous attendez début octobre. Vous allez comprendre la directive que prend la Six and Company. Et ça va vous plaire, messieurs, dames. Non, les gars, no joke, j'ai trop hâte. J'ai trop hâte début octobre. J'en peux plus. J'en peux plus de garder ça pour moi. Toutes les semaines, je vous en parle. Je vous casse les couilles. Vous en avez tellement marre de moi. Après, vous allez dire, ouais, mais Six and, il en fait trop. Il nous tease les trucs. Il dit jamais rien. Frérot, tous les jours de la semaine, je bosse sur cette merde-là. J'en peux plus. Tous les jours. Et les gens qui bossent pour moi, les gars. Tous les jours, ils travaillent dessus, tous les jours. Ils en peuvent plus et ils peuvent rien me dire, ils peuvent pas aller plus loin, eux aussi, ils en peuvent plus, ils veulent que leur travail soit révélé au grand jour. Mais non, frérot, tu la fermes et t'attends comme moi, mon frère. Attention, les ricochets, oh. Ok, ça touche. Oh putain. Cours, Nautilus, cours. Voilà, la Zira. Cours, 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 Nautilus, je peux plus, je suis plus là, mon frère. Il y a Truffaut qui m'attaque, là. Ok, je me casse. Ça. Ok, belle. Ok. Ok. Oh, attends, mais c'est mon moment. Ah, putain. Je voulais pas viser la Zira, je savais qu'il était pas loin, l'autre, derrière. My bad. Oh, Nautilus, frérot, c'est le fratello. Il est parti d'ail, il s'est sacrifié. Il s'est sacrifié, mon ref. Waouh, Iris déchaîné. Et j'ai l'assist en plus, c'est parfait. Ok, si j'arrive à avoir l'avant-dernière. Attends, quoi, il TP sur. Ok, j'étais là en mode, attends, comment ça, il peut TP sur les CS, mais on est déjà à 10 minutes de jeu. Ah, ok. Ok. Tu me prends pour une con là, Iris, hein. Quoi ce stun là, mon frère? Il était bigleux celui-là. Tu veux pas faire un partenariat avec Afelou là? Toi qui acceptes pas mal d'OP en ce moment. Alors, on va partir sur l'éclipse. Là, je pense que mon R il met pas mal de dégâts. Hein. Parce que le R de Jean met plus de dégâts si t'es low life. Vous pensez que j'ai des dégâts à partir de ce moment là ou pas? Ouais, je fais un stuff un peu similaire à Caitlyn Sniper. Ouais. Je recharge! I need more bullets! Ça part. Favolante. Il est venu m'arracher ce chien. Oh, laissez-moi tirer, tranquille. Je me suis pressé pour tirer des fléchettes, moi. J'ai besoin de patience et de diagnostic.
Eh ouais, non mais c'est trop. C'est trop Maroux. Maroux, il m'a enculé sur la top lane la dernière fois, maintenant il veut m'enculer au bot. C'est bon Maroux. Maroux, c'est quoi? Ce que je vais te préparer dans cette game, tu vas plus jamais faire de game viewer, moi je te le dis. Tu vas être dégoûté de jouer. Panthéon, il est en 1v9. Après la bot lane, ils vont prendre tarif si je joue la range. Ok, on a la tour les gars. Ah mais t'es ma Maroux. J'arrive. Je vais tirer les boulettes les gars, préparez-vous. Vous êtes où? Je peux pas tirer sur les globules. Attends, la ligne. Tu l'as jamais vu ça. Tu l'as jamais vu en 12 ans. La brochette de merguez sur le Zac. Tu as jamais vu. Je refuse de croire qu'un Jin a déjà tué le passif de Zac de cette manière. Personne sur Terre a déjà vu ça. Là. Chop. Mettez. Oh. Eclipse. Oh! Attends, la reine du Q, what the fuck? Oh putain, encore lui. Il veut me sauter dessus là, il a meurt d'envie là. Voilà, voilà, je me replace derrière. Ouf. Bien joué les gars, il a pris 4 secondes de CC, il a pu jouer, c'est cool. Nismo, toi qui as l'habitude de jouer Jin, est-ce que tu peux 100-0 quelqu'un juste avec l'ultimate? 1, 2, 3, le finisher! Oh. Putain, le chien de Cartus. Ok, percepteur. Nismo, on fait quoi en troisième item? C'est toi qui choisis. Oui, tu peux 100-0 un mec à l'ultimate, ok. Surtout avec les runes que j'ai, c'est des runes sur les dégâts, donc je pense que ça peut être intéressant. Oula! Feu volonté! Oh, le chien! Après, je condamne le Panthéon parce qu'il est obligé de dashine. Putain, il y avait le rat à gauche. I need more bullets! Ricochet ou? Oh là là, Mr. Freeze, mon frère! Il est où l'autre? Oh, le Dark Harvest! Ah, Iris, frérot, il lui voulait sa peau, Ziggs. Allez, Dominique! 1500, mon frère! Voilà! Bon, là, Nismo! Mon ratio de dégâts, il est pas mal, non? 3 items, là. Genre là, le Ziggs, je peux le tuer juste à l'ultime? C'est quoi ce rajulte là? Ok bon. Tu veux faire. Oh putain encore. C'est pas jouable. Panthéon en fait il me one shot. Non c'est trop! C'est trop Maroux! C'est beaucoup trop! Bon après j'étais un peu trop loin, c'est vrai aussi. Non mais pour moi, en fait, tu veux à tout prix que je joue le canon ultra rapide, Nismo. Le problème c'est que toi t'aimes trop les buts de normaux, tu vois. Genre là, si je fais RFC, j'ai pas assez de dégâts, tu vois ce que je veux dire? Moi je veux. Je veux canailler de avec l'ultime. Pour moi, c'est un item de dégâts qu'il me faut. Qu'est-ce que t'en penses de la BT, là? La BT. Attends, mais il y a un monde où il gagne ou c'est comment, là? J'arrive pas à voir la game, là. Allez, ça part sur BT, les gars. Bon, on va tester. C'est juste pour la science, celui-là. Le petit nain, là. Et il se fout de ma gueule, en plus. Ok, viens là, toi. Casse les couilles, ce dans un lien. Il est mort, tiens. Il est mort après le flash. Voilà, le petit nez, là. Là, par contre, sur les tours, je dois avoir des dégâts de fou. 611. Ok, ambitieux. C'est le col d'Iris, les gars. Je suis. Allez. Oh, le smite. Oh, tu sais que c'est 10 ans de prison, ça, Iris, pour ce smite. Attends, est-ce qu'il n'y a pas un truc? On va tester vite fait, là, en légende. Juste, histoire de matraquer un petit peu, là. 700. Ok, non mais c'était drôle cette game. Cool en vrai, c'est un bon moment là. Après j'ai tué le Panthéon avec ma petite merde là. Non mais c'est une dinguerie, Zac et Panthéon mec, comment tu veux que je joue genre? Trio mid d'abord et après on joue le Drake. C'est trop grave, je le fais mitrailler les gars. À moi. Mais y'a que des nains là. Non. Touche pas. Non. À l'aide. Non. Mais non. J'étais pas dessus. Frérot, je fais du 46, c'est quoi ça?
ça aussi, mon pied, mon ongle, mon orteil, oh, frère, il a touché la bombe. Non, c'est trop grave. Putain, j'avais rien, j'ai joué contre un bot, frérot. C'est un escape game, le truc. Je me prends la merde au sol. La cam 6N. Ah ouais, même la cam a bougé, attends. Bon, elle est un peu trop sur la gauche, mais on va finir comme ça. Non, mais en fait, le problème, c'est que Panthéon, il garde son R pour mon R, et c'est pas jouable. Dès que je mets mon R, il faut qu'il soit déjà dans le combat pour que j'appuie sur R. Hein. Je dois à la fois faire gaffe à Zac et à la fois au R de Panthéon. Ok. Eh ouais, mais il est pas là. Et là, il attend que je R, hein. 100%, hein. Il s'y veut, lui. Allez, ok. Regardez-les. Ils vont me foncer dessus. Voilà, R de Ziggs. Regarde. C'est trop grave. Regarde. Viens là, toi, le mini-moïde. Voilà. Viens là. Voilà. Viens là. Viens. Voilà. Un beau. Ricochet. Voilà. C'est trop grave. C'est moi qui engage avec un sort de mitraillette. Ok. Ok, je suis affreux. C'est fine, les gars, j'ai 2000 gold. Non, mais c'est franchement, c'est une dinguerie, ce que je prends. Je fais quoi en dernier item, Ismo? Non. Oh, je joue à FNAF ou quoi, là? C'est des screamers, le truc. Je vais dans le bush, ils sont tous là. Regarde, Zac, il saute. Ok, je vais me prendre le Panthéon, j'imagine. Regardez bien. Ok, il préfère fight au corps à corps, ça me va. Il est où, le Panthéon? Les gars, vous l'avez vu pas? Il est où, Panthéon? J'ai perdu de vue. Ok. Paf. Voilà. Attends, mais le Panthéon, il a disparu, les gars, j'étais où? Fais manteau de la nuit. C'est vrai que manteau de la nuit, quand on leur compose, ça peut être cool, ouais. Pile poil ce qu'il fallait, les gars. Quitte à perdre, je vais tout faire pour te tuer, Jean. Mais t'es une merde, Marux. Viens là. Tu vas comprendre. Allez, fuck les supports, de toute façon. J'en ai jamais voulu. Le mec. Regarde, viens me tuer. Manteau de la nuit. Je vais t'attendre avec mes trappes, tu vas voir. C'est vrai que du coup, s'il me répond, ça veut dire qu'il entend ma voix. Donc ça veut dire qu'il est au courant de tout ce que je dis, là. Ah, il est là, vais qu'il y aille quelque... Ah. Non, mais... Non. Et deux. Ah, qu'est-ce qu'il fait? Il est encore là. Non. C'est fine. Faudrait qu'on me laisse jouer, là. Ok. 1, 2... La bombe de Ziggs. Mais personne, frérot, son père, il se fait écraser par un tracteur s'il me vole pas les kills. Je vais devoir me venger. Hein. C'est trop grave. C'est d'une gravité, là. Il s'est retourné quitte à mourir pour m'envoyer sa spire de merde. Ah mais il aime trop les caméras, Théma. Bon, Nautilus, reste à côté de moi. Dès que le Panthéon est ultime, tu lui mets tous les sorts, frérot. Il m'a cassé les couilles. C'est l'entertainment, ouais, t'inquiète. Quand je vais te mettre la dernière boulette, tu vas comprendre. Nautilus, tu me colles au cul, hein. Restez là. Voilà. Cassez-vous, maintenant. S'il reste à côté de moi, les gars, c'est finito. En fait, si je erre et que toute mon équipe est à côté, il ne pourra jamais jouer. Donc, reste ton paquet. Mettez les ultimates, et le premier qui dash, on lui défend sa mère, genre. On a la stratégie. Voilà, c'est bon, j'ai la technique maintenant. Stay around me, bro. I need more bullets. Ça touche. Oh, les dégâts que j'ai. Waouh. Le ricochet. I need more bullets. Ah ouais. On va un peu, il est où l'autre, le coquin, là? What the fuck, les dégâts? Tempête menaçante, 48 de dégâts en plus. Putain, je mets combien par hit, là? J'ai envie de les arroser dans la base, les gars. Go devant leur base, là. Je vais les arracher. Tu vas voir si tu vas multi en sortant de la base. Avec l'ancestral. Les gars, protégez-moi. Restez. Stay around me, bro. Stay around me. Protégez le chef. Voilà, lui, c'est celui qui me perturbe quand je joue. Et deux. Tuez-le.
Dernière pétoule, je lui mets dans le cuvet. Laissez-moi, laisse-moi le nez là. Il m'a cassé les. Attends, qui a tué la base? Let's go! On a réussi à faire le play jusqu'à la fin. Ta rel, elle était mucha bonita, je te le dis, moi. Eh ben écoute, YouTube, j'espère que vous avez aimé le Din version un peu ultimate. Bon, on s'est un peu fait target, c'était un peu compliqué. Mais bon, si vous voulez reproduire, c'est les runes. Vous avez vu le stuff. Et voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment. Vous avez vu que malheureusement, être streamer, c'est pas que des atouts. Si t'as aimé la vidéo, lâche un like, partage, abonne-toi et rendez-vous demain même heure pour une nouvelle vidéo. Ciao!